Waouh! Quand les stars parlent des démons. Quoi? Sérieux? Les stars parlent aussi des démons? Mes frères et sœurs, ce que nous allons voir, c'est incroyable. Il y a beaucoup de messages subliminaux qu'on voit tout le temps, mais qu'on ignore. J'ai l'impression que les gens sont plus attirés par le diable que Dieu. C'est incroyable, mais c'est vrai. Ce que nous allons voir, c'est hors du commun. Ça risque de vous faire peur, mais vous allez comprendre. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et partagez cette magnifique vidéo. Suivez-nous. Ah! Mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez en merveille. Vous allez me dire ce qui se passe ici. C'est que j'ai de coiffure, ça. Regardez ça. C'est que j'ai de coiffure, ça. Comment quelqu'un peut-il se coiffer de la sorte? Franchement, je ne comprends pas. Et pourquoi cacher un œil comme ça? Un œil, qu'est-ce que ça veut dire? Mes frères et sœurs, les choses sont claires aujourd'hui. Ces personnes appellent cet œil l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout. Du genre, eux, ils ont un œil mystique. Et avec cet œil-là, ils peuvent voir tout le monde. Regardez bien. Et dans les disciples de la musique, dans les districts cinématographiques, on voit de jour en jour cet œil-là se multiplier. C'est vraiment étrangissime, c'est vraiment énorme. Mais ça, ce n'est encore rien. Ça, dis à ton ami qu'à côté, ça, ce n'est rien. Dis à ta soeur qu'à côté, tu n'as encore rien vu. Ça, ce n'est que le début du commencement. Quand les stars parlent du diable et ses démons, ça donne également ça. Regardez, dans un clip, un rituel a lieu. Et les gens ne savent même pas que c'était un rituel. Juste comme ça, sous nos yeux. Les gens ont regardé le clip. Voici même dans le clip, voici une personne. Une star même qui est comme possédée. Comme possédée, hein. Regardez. Elle est en lévitation. Et les gens pensent que ça fait partie du buzz, du show. Et même du clip. Les gens ne veulent pas adorer Dieu, mais ils sont chauds pour adorer le diable. Quand vous leur parlez de Jésus-Christ, ils sont là en train de vous regarder comme ça. Ah, mon ami, tu parles de quoi? Jésus, c'est pour les vieux. Mais il s'agit de venir dans de tels endroits pour faire de telles choses, dessiner, mettre des bougies comme ça, faire des pentacles pour offrir des sacrifices aux démons. Là, elles sont même prêtes à se mettre un genou devant le diable. Un genou. Les gens sont de se poissonner devant le diable. Quand les stars parlent de démons, ça donne ça. C'est bien réel. Il y a des serpents dans sa main. Des serpents. Et vous allez vous dire, mais à quoi ça, c'est quoi ça, le cornes d'une chèvre? Est-ce que c'est un sacrifice qui est offert? Pourquoi des cornes? On nous parle de Baphomet. Ce sont des choses réelles. Et les gens font beaucoup de trucs qui ressemblent au satanisme pur que Dieu. C'est du pur satanisme qui a lieu maintenant sous nos yeux, quoi. Vous voyez les cornes sur la tête. Mon Dieu. Les gens veulent être possédés. Et quand ça parle de stars, de superstars, c'est là, c'est grave parce que les jeunes gens les imitent sans même savoir ce dans quoi même ils sont en train d'entrer. Parce que quand vous imitez un gars qui représente les objets sataniques, vous êtes tout simplement en train de prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. C'est même ça le danger. Les gens sont en train de se laisser posséder par les démons sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte, mes frères et sœurs, c'est bien réel. Ça ressemble à de la blague souvent. Mais c'est réel. Ici, une star en plein concert a commencé à faire des trucs chelous. Comme quoi? Comme déchirer la Bible. Regardez, comme déchirer la Bible. Parler mal du nom de Jésus-Christ et représenter de ses croix à l'envers. Genre pour blasphémer contre Dieu. Quoi. C'est une croix satanique. Et aujourd'hui, les gens commencent à comprendre tous ces genres de choses. Le monde fait peur. Mais n'ayez pas peur, Jésus revient. Que les vrais croyants soient forts. Parce que le diable a décidé de lancer l'offensive contre les chrétiens, contre les croyants. Et il va utiliser les superstars, les gens d'influence, les gens qui influencent le monde, la masse, pour pousser certaines personnes même à se moquer des croyants ou des chrétiens. Et on voit des XXX et des cornes par-ci et par-là. Possession de démoniaque. Ah, mes frères et sœurs, vous pouvez penser que c'est de la blague, mais regardez, c'est pas nouveau. Tout ce que nous vous montrons, vous avez déjà vu. Mais vous pensez que ce sont des histoires.
Pourquoi les gens ne veulent-ils pas faire des choses bonnes? Et pourquoi les gens sont-ils toujours attirés par de mauvaises choses? Pourquoi les gens sont-ils toujours attirés par des cornes comme ça? Très bonne question. Il faut faire un moment, faire très attention. Aujourd'hui, les agents du diable se montrent au grand jour, mais les gens ne comprennent pas. Si vous voyez tel signe, ne vous y trompez pas. Ça, ce sont des signes qui montrent une adoration au démon ou au diable. Ça, ce sont des signes d'appartenance même à Satan. C'est simple. C'est même simple. Voici encore un autre signe. Là, les stars eux-mêmes sont en train de vous parler du diable, de ses démons, de ses stratégies, ce qu'il fait, comment ça se passe. Et peut-être que c'est pour rigoler. Vous allez penser que c'est peut-être pour rigoler. Quand les stars parlent du diable et ses démons, voici ce que ça donne. Ils ne vont jamais venir ouvertement vous dire « Ah, je suis sataniste » ou bien « Je parle du diable ». Mais ces gens-là vont tout simplement faire des signes comme ça, juste pour venir les gens, pour venir juste les gens, de l'existence du bien et du mal. Sa première main a un doigt levé, c'est en noir. Et l'autre aussi a un doigt levé, c'est en rouge. Fait des sacrifices au diable, qui est censé être dans les ténèbres, pour rester en haut. Pour rester en haut, c'est ce que c'est censé signifier. Pour être au sommet, pour rester en tête, j'ai dû faire des sacrifices. Et même si c'est vilain, je l'ai fait et c'est mon choix. Et les serpents, regardez les serpents par-ci. Les serpents par là, quand les superstars parlent du diable, vraiment, ça donne ça. Là, on nous montre des gens comme l'œil des serpents, les yeux des serpents. Et c'est vraiment terrible. Comment les gens qui ne lisent pas la Bible connaissent-ils ça? Mes frères et sœurs, si vous voulez savoir, les satanistes, les satanistes considèrent la parole de Dieu plus que les chrétiens. Eux, ils savent que Dieu ne rigole pas et que Dieu ne bat pas. Ils connaissent même la force qu'a Dieu. Et eux, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Le diable est tenté d'être représenté par des superstars. Qu'on parle de pâte avec le diable, mes frères et sœurs, ne pensez pas que ce sont des choses qui sont là pour rigoler avec vous. Le monde fait peur. Faites attention. Il y a un combat qui a lieu entre le bien et le mal. Si les gens, les superstars déchirent la Bible, c'est pas pour vous faire plaisir. C'est pour vous donner juste un message. Nous sommes en guerre. Une guerre spirituelle qui a déclenché depuis très longtemps, mais les gens sont en train de dormir parce que c'est de la blague. Et cette guerre spirituelle, une guerre entre le bien et le mal. Et le diable utilise juste les stars, les superstars, qui ont accepté de pactiser avec lui pour combattre les chrétiens, les croyants, les bonnes valeurs, nos enfants. En fait, les gens pensent que les superstars sont en train de les aider ou de les enjailler, je l'ai dit, les amuser. C'est de la blague. Il y a une guerre spirituelle. Dans quel camp es-tu maintenant? Es-tu dans le camp du bien ou dans le camp du mal? Réponds à ma question juste en dessous de cette vidéo. Et tu sais, nous ne parlons pas beaucoup. On regardera tes œuvres avec nos deux gros yeux, histoire de voir dans quelle situation tu es. Et fais attention à ce que tu écoutes et à ce que tu vois. Les films pornographiques ne sont pas bons pour toi. Faut même fuir ça. Si tu regardes un clip, tu vois les femmes veulent te montrer les seins, les fesses. Pardon. Faut éviter les histoires et les histoires vont te laisser tranquille. Tu vas leur paradis ou en enfer. Il y a des gens qui veulent t'aider, même t'accompagner là-bas. Ne les suis pas. C'est par ton comportement. Tu ne vas pas les suivre. Si tu marches avec tes amis qui passent leur temps à te parler des femmes, des fesses des femmes, les seins, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois les éviter. Même si tu les aimes, il faut les éviter. Parce que si toi tu ne les convertis pas, c'est eux qui vont te convertir au satanisme ou à la prostitution. Parce qu'un homme qui passe son temps à coucher avec plusieurs filles, il se prostitue. C'est un prostitué spirituel. Un physique. C'est pas de la place, ça peut faire rire. Mais c'est réel. Maintenant, ce ne sont plus les femmes qui se prostituent. Ce sont maintenant les hommes aussi qui sont dans les shows. Ils ont même dit aux femmes, oh, reposez-vous. Nous n'avons pas de pouvoir maintenant.
Le diable est en train de l'attirer vers l'enfer comme ça. Parce que la fin de tout ça, c'est la gêne, c'est le feu. Les temps de feu, le temps ardent de feu, ce sont les âmes qui sont là-bas. Et la douleur que ressent une âme quand le feu descend sur son doigt, c'est un milliard de fois supérieur à ce que toi tu peux ressentir quand tu mets ton doigt dans le feu ou bien tu allumes ton briquet. Ne faites pas ça chez vous. Abonnez-vous et partagez cette vidéo. Et même avoir beaucoup de réactions. Cliquez sur Somalie, ça n'est pas d'accord aussi. Numéro 3, chaîne Ignace Soubon 2, Ignace Soubon 3. Abonnez-vous sur Ignace Soubon 2, Ignace Soubon 3, Ignace TV. Ok, c'est parti. Waouh!